MXGP2. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte. On va partir à l'assaut d'un jeu de motocross. Aujourd'hui, on va passer une petite heure ensemble où on va découvrir eh bien, tout ce qu'il y a à savoir sur ce titre. Ce titre, eh bien, il est développé et édité par la boîte italienne Milestone, à qui on doit quelques anciens superbikes et MotoGP peut-être à l'époque, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu les licences Superbike qui étaient à l'époque très très bonnes. Il y a eu les licences WRC, un peu moins bonnes. Et surtout, le premier MXGP sorti il y a quelques mois, quelques années presque, et qui était vachement bien foutu. En tout cas, moi, je l'avais terminé sur PC, sur 360. Je vous en avais fait un test à l'époque. Malheureusement, le test a sauté pour des raisons de droit d'auteur, chose à laquelle je serai attentif de nouveau ici en termes de musique. Donc MXGP 2, c'est sorti eh bien, il y a quelques jours, le 11 mars je crois, du côté de la Xbox One, la PS4 et Steam. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un lien pour télécharger le jeu sur Steam dans la description. Donc faut savoir que ce jeu, je l'ai rincé complètement le premier. Et j'avais vraiment envie qu'il nous en sorte un deuxième. Alors il était sorti sur PlayStation 4 MXGP, mais pas sur Xbox One. Donc j'étais assez déçu, parce que je n'ai pas la PS4 et j'avais la Xbox One. Donc j'attends beaucoup de ce MXGP 2. Alors je me suis pas spoilé, j'ai pas vu de trailer, j'ai pas vu de vidéo. J'ai simplement été chercher quelques détails, notamment le fait qu'il y ait 18 circuits, qu'il y ait des nouveaux types de courses maintenant en stadium, etc. Mais on va découvrir tout ça ensemble. Et pour la petite information, eh bien, je vais faire ce test à la manette Xbox 360, qui est ce avec quoi je jouais à l'époque au premier MXGP, pour faire une petite comparaison du comportement à la manette. Hé l'ami, enfin nous y voilà! Je dois admettre que je suis chargé à bloc. Il me fallait vraiment un nouveau défi après tant d'années dans la partie. Quand tu m'as demandé d'être ton manager personnel, j'ai pas eu besoin d'y réfléchir à deux fois. Grâce à mes conseils et à ton talent, nous sommes voués à un brillant avenir. Mais ne nous emballons pas! Tout d'abord, il me faut tes infos pour participer au championnat du monde. Allez, c'est parti. Alors là, on a la procédure habituelle. Quand on commence à rentrer dans ce genre de jeu estampillé Milestone. Non, on va mettre Maxou. Eh oui, mon petit. Alors, le numéro, est-ce qu'on a droit? Eh non. Donc, on salue tous ceux qui sont nés en 91, 12 et 13, qui ne peuvent pas avoir le numéro de leur année de naissance sur le dos. Alors moi je suis né à un 24, est-ce que j'ai eu le droit au 24? Je ne les avais pas dans les anciens, et non. Bon bah écoutez, on va faire quelque chose de vachement viril, vous le voyez venir gros comme moi, voilà, le 69. Alors on a quelques styles de déco, ouais, bon c'est pas exceptionnel, mais ça a le mérite d'être là. Type de peau, oui, ça va vachement nous aider. Malheureusement, j'espère qu'on verra notre pilote sans casque, pourquoi pas. Sinon, la sélection de l'ethnie n'a pas de grand sens. Alors, au niveau des pays, on va aller en Belgique, hein, Rutverdek. Voilà, je reprends ma manette. Et on va se lancer. Donc, il dit championnat du monde, puisque normalement, vous avez les deux catégories reines, le MXGP, le MX1 et le MX2. Comme disait mon ancien mécanicien, si on veut courir à moto, il faut d'abord une moto. Dis-moi seulement quel constructeur tu souhaites et je m'occupe du reste. On prendra une 450 et une 250. Ok, donc pour l'instant, il vous suffit de vous affilier à votre constructeur préféré. Alors sincèrement, moi personnellement, avec mes connaissances limitées en championnat du monde de moto, je vais faire le gros classique KTM. Voulez-vous choisir ce constructeur? Oui. Ah, je vois qu'on a les mêmes goûts. Excellent choix. Leurs motos sont de première qualité. Je pense qu'il m'aurait dit exactement la même chose si j'avais pris une autre marque. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer notre écurie. Il nous faut un nom accrocheur, un logo saisissant et un bon team manager. C'est lui qui gérera ton écurie personnelle en te communiquant les objectifs et résultats. Ah, tu dois aussi choisir une photo à associer à mes emails. Prends-en une belle, hein. D'accord, le nom de l'écurie, eh ben, ça va être vite vu. Le logo. Alors, le logo, pour l'instant, on a le choix uniquement des couleurs. Bon, écoutez, ça va pas chercher bien loin. Il n'y a pas de rouge. Enfin, c'est pas possible, ça. Moi, je voudrais du rouge. Bon, allez, on va prendre sobre. On va pas traîner. Alors, notre agent. On va faire une bonne team de champions. On a Kurt comme type manager. Qu'est-ce qu'on a comme bonne tête?
Je veux une bonne équipe de champions. Voilà, lui et moi, Morales, il doit prendre du temps pour se coiffer. On a presque fini, mais j'ai ici quelques vidéos de motocross qui pourraient t'aider si tu souhaites t'inspirer des champions. Tu veux les regarder maintenant ? Voulez-vous regarder les vidéos didacticielles ? Non, parce que le didacticiel, bon, on connaît un petit peu, ça reste de la moto, frein avant, frein arrière, bon, on va aller. Ok, maintenant on est prêt, allons-y. Alors, première chose que je constate, c'est le menu qui sort un petit peu de l'ordinaire dans ce qu'on a habituellement proposé par Milestone, et on a quelque chose de vachement sympa et dynamique. J'aime beaucoup, personnellement j'aime beaucoup. Déjà contenu téléchargeable évidemment. Donc les commandes, on va simplement jeter un petit coup d'œil, donc on est bien à la manette. Frein avant, marche arrière, frein arrière, ok, ça bouge pas, c'est bon. Les options graphiques, tout est à fond, on est bien en maître. Oui, bah écoutez, voilà, on est bon. Alors il y a les rewind évidemment. Le solo. Alors MXGP, Carrière Monster, FIM, MXON, ça je ne sais pas ce que c'est. Le motocross des nations est l'une des compétitions les plus grisantes de toutes. Les meilleurs pilotes au monde courent pour leur pays à l'occasion d'une compétition par équipe. Un spectacle hors du commun. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal comme feature, j'aime bien. Stadium Series, voilà, ça fait partie des nouveautés. Pour en circuit couvert, ce qui implique de nombreux sauts et des vitesses effrénées. Tiens-toi prêt, il va y avoir du sport. Ok, donc on a bien le choix. Alors, est-ce qu'au niveau des circuits... Bon, on a 4 arènes. Bon, c'est pas mal déjà. En tout cas, c'est bien. Il y a de la nouveauté comparé au premier MXGP. Ça, c'est plutôt sympa. Événement réel. Alors, je pense que c'est un mode scénario. Voilà, donc effectivement, on vous donne une piste, un pilote. Il faut reproduire ce qui s'est passé dans le passé. Et laisser... Bon, le MXGP Grand Prix, c'est classique. Le MXGP, c'est tout simplement les meilleurs circuits de motocross au monde. Et donc la carrière qu'on va débuter maintenant. Bien, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Tes débuts en championnat du monde consisteront en 2 courses wildcard avec ton écurie personnelle. L'écurie est prête et nous croyons tous en toi. Mais nous devons signer avec un sponsor pour concourir au championnat. Voilà qui s'est porté candidat jusqu'ici. Ah bah va pour Vertex. Alors je ne sais pas si ça va changer les décorations qu'il y a sur la moto, j'espère. Bien que tous les sponsors attendent une position minimum à chaque course. Respecte les accords et je n'aurai aucun problème pour les garder à nos côtés. Un vrai champion s'affaire également en dehors du circuit. Voici tout ce qu'il te faut pour suivre la saison, tester les motos et gérer les relations publiques. Au fait, garde un œil sur le mag, on pourrait bientôt figurer dedans. C'est bien de me dire de mater le magazine qui n'est pas dispo. Bon, relations publiques, email, intérêt pour l'écurie, intérêt de sponsor, information sur la saison personnalisée. Bon bah écoutez, on va se lancer, on va faire un petit peu de gameplay. Chose. Avant chaque course, je recommande de te fixer un adversaire à battre. Veille à ce que ta moto termine devant lui et ta réputation progressera encore plus rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre moto? Donc on a une 250, on peut rien y faire. Personnaliser. Si on veut courir à pied d'égalité avec les écuries officielles, il faut optimiser nos motos. Tout ce que tu dois faire, c'est gagner suffisamment pour acheter de nouveaux composants. Facile, pas vrai? D'accord, donc on peut faire un petit peu de déco. Ça coûte combien? 2000 crédits, on en a que 100, donc pour l'instant c'est pas au programme. Donc on peut, ça n'était pas dispo dans l'ancien, hein, je vous rappelle. Donc on a vraiment une personnalisation assez incroyable. Et c'est vraiment excellent. Ok, donc on peut mettre un petit peu... Ah, les effets sont pas mal. Alors au niveau graphique... C'est plutôt beau, il y a pas mal de scintillements et d'aliasing au niveau des reflets, mais ça c'est typique, sachez qu'on tourne en ultra hein, pour le jeu. Donc on a quelques personnalisations de la moto, ce qui est un élément nouveau. Alors, tout ça on le doit bien sûr au jeu Ride, qui était sorti il y a quelques mois, qui reprenait des motos de route sur des pistes ouvertes. Allez, c'est parti, on va quand même essayer de faire un petit peu
de gameplay. On est donc parti du côté de Majora. Major, c'est près de Bologne, ça, si je ne dis pas de bêtises. Alors, le circuit, je le connais un petit peu. On va voir au niveau des temps de chargement. C'est que de la terre battue. Alors, si c'est précisé, c'est qu'il y a différents terrains. Il y aura sûrement du sable, notamment à Valkenswaard, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, aux Pays-Bas. Bon, le temps de chargement est correct. Petite présentation du tracé, jusque-là du grand classique. Alors, on peut faire un petit peu de setup sur la moto. On peut régler la suspension. Ok. La détente. Ok. Transmission. Rapport court, moyen ou élevé. Donc, si vous voulez des boîtes de vitesse plus longues ou plus courtes. Bon, on a 35 minutes pour faire une qualif, je pense. Non, séance d'essai, pardon. On peut avancer le temps. Voilà, donc on va avancer pour voir un petit peu où on en est. Donc tout ça, bien sûr, est sous licence. On va quand même faire un petit tour dans les essais, histoire de voir. Alors, petit manque de fluidité pour l'instant. Le jeu est bien en ultra. Alors, le comportement. Vous devez piloter avec donc les deux gâchettes de la manette pour accélérer et freiner. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Vous penchez votre moto, vous tournez à gauche et à droite avec le stick gauche. Et vous gérez le corps de votre pilote avec le stick droit, donc vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite, pour eh bien, gérer un peu le transfert des masses. Comme là, je le mets vers l'avant, par exemple, encore ici. Voilà, là, je le mets vers la droite un petit peu. Donc, ça fait un petit changement au niveau du comportement. Alors, pour l'instant, visuellement, c'est un petit peu plus propre que ce que proposait à l'époque le premier MXGP, qui était déjà très correct pour l'époque. C'était ce qui m'avait bluffé à l'époque. Je suis en train de travailler sur d'anciennes vidéos qui étaient sorties, notamment des coups d'œil dans le rétro qui ont été supprimés. Et je pense que je vous remettrai la découverte du premier MXGP. Ça peut être intéressant de voir la différence. Hop, on essaie d'avoir un petit peu d'élan. Donc ça va bien au niveau du comportement. Je ne sais pas où on en est au niveau de la difficulté de l'IA. Par contre, il y a clairement un manque de fluidité. Au point de me mettre la tête dans la boue. Bon, on va faire un petit retour au stand. Les sessions, on va passer à la qualif. Allez, on a gagné quelques crédits, donc évidemment, on va pouvoir améliorer notre moto, etc. avec les crédits qui nous sont alloués après chacune de nos performances. Ça semble évident. Donc la qualif évidemment, donc la session, on a un chrono, on est 22, il nous reste voilà 30 minutes dans la session, c'est parti. On va essayer de conclure un tour de cette manche italienne. Alors pour l'instant ça se passe bien, donc au niveau du comportement, hop, hop, on sautille bien, alors c'est vraiment sympa pour l'instant, c'est bien précis, on a vraiment une précision dans la moto, c'est juste un petit manque de fluidité. Alors on m'avait dit que comme c'est un jeu Milestone, ça pouvait être le même problème qu'avait connu Sébastien Loeb à Lievo, il faut supprimer la synchro verticale, donc on va aller jeter un coup d'œil à ça. Juste après, si vraiment c'est impossible à regarder. Pour l'instant, de mon côté, c'est jouable en tout cas. Un petit effet de vent sur le pilote. En tout cas, sur son dos, vous voyez. Ah bah dis donc, on n'est pas très tolérant avec les coupures. Hein. Non, j'ai déjà eu assez de problèmes récemment avec les coupures.
Ah non, on a vraiment aucune tolérance quant au bord de piste. Au niveau du point de contrôle, alors ça a l'air d'être tolérant puisqu'on a 9 rewinds, vous le voyez en bas à droite. Alors l'ATH, pour l'instant, je le trouve pas trop envahissant et peut-être même un peu trop absent. Si vous vous rappelez bien, dans le premier MXGP, on avait tous un gros souci, c'est qu'on ne voyait pas où on en était au niveau des autres pilotes sur la minimap, et ça a l'air d'être de nouveau le cas, c'est-à-dire qu'on est de nouveau seul point rouge sur la map, on n'a pas de point gris ou des éléments. Alors là, vous voyez, j'ai mal mis le poids de mon pilote. Ou des éléments qui nous permettraient de mieux nous classer. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut abandonner? Non, pas du tout. On peut retourner au stand, voilà. La session, et on va passer donc à... Non, pas la course 2, la sensibilité de ce stick. Oh, voilà. Donc, nous, on partira, j'imagine, bon dernier, après une telle performance. Avant-dernier, bah voilà. 4 secondes 8, bon on n'était pas là non plus pour faire la perf, hein. On est en MX2 hein, on rappelle. Donc la division 2, les 250 et pas les 400. Donc pour l'instant de bonnes sensations mais un manque léger de fluidité dans le jeu. Alors normalement on peut choisir notre emplacement sur la grille, comme on est avant dernier on va avoir le choix entre simplement deux places, voilà c'est les deux places restantes. Est-ce qu'on pourrait aller chercher l'intérieur? Ça m'étonnerait, non évidemment. Donc on voit, regardez, il y a des différences dans les pilotes. Ça c'est pas mal non plus. On voit donc déjà belle mise en avant. Allez les gars, YMCA, it's fun to stay. Non pas du tout. Mais on voit qu'il y a des différences dans les équipements au niveau des casques. Si vous avez un Arai, un Shohei, on voit que c'est plutôt pas mal. Il y a des pilotes qui ont des protections également au niveau du... Oh Vitaly Petrov, qu'est-ce qu'il fait là? Non je plaisante. Il y a des pilotes qui ont des différentes protections au niveau du cou, etc. Bon bah écoutez, nous on va pas chercher loin. Allez, c'est parti. On va essayer de prendre un bon départ. Alors, j'ai retiré un simple... Reviens. Un simple détail graphique. C'est la synchro verticale. Et le jeu est d'une fluidité tout de suite absolument incroyable. Alors, on est tombé ? Ah, quel dommage. Alors, Van Bonenk, qui est à côté de nous. Ouais, on va essayer de lui couper la trage. Alors effectivement, je suis beaucoup plus précis. Avec un jeu beaucoup plus fluide. Et vous devez le ressentir aussi à la capture. Donc le but ici, ça va être de faire plaisir aux sponsors et de se faire plaisir. Il y a 3 tours. Oh, et on a escaladé Tixier. Alors, on a les écarts en bas à gauche. Ça va, la police est assez... En fait, ce qui est génial, c'est que la police est extrêmement lisible. Mais le HUD n'est pas du tout envahissant sur l'écran. Et ça, c'est assez, assez bon. Ça, c'est un bon point. Alors, Tixi, on va essayer de le reprendre à l'intérieur. On peut pas pour l'instant. Je sais pas où on en est au niveau de la difficulté et du comportement et de l'intelligence artificielle. On va essayer de checker ça après cette première course. Oh, on revient. Et ben voilà. Il fallait bien que l'on chute à un moment donné. Ah non, mais alors la sensibilité est assez excessive au niveau de la direction. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que la moto doit encore être développée, ce serait génial. Mais sincèrement, je ne pense pas que le développement de la moto ait une influence sur le comportement à ce point-là. Alors au fur et à mesure de la course, on est en train de perdre petit à petit des positions. On est déjà retombé 16e avec nos 2 chutes au tour précédent. On va essayer de se mettre un petit objectif, pourquoi pas le top 10, ce serait pas mal. Alors il y a toujours en fond en fait cette musique. Toujours un peu de musique au fond, c'est stressant, ça c'est horrible. Donc effectivement, comparé au premier MXGP, il y a eu beaucoup plus de restrictions au niveau de l'écart de la piste.
Parce que je me rappelle des fois où je sortais, je me retrouvais contre les ballots et eh bien il fallait quelques secondes avant que le jeu me remette sur les rails. Ça semble terminé maintenant dans ce MXGP2 et c'est finalement une bonne chose, on perd moins de temps. Tant que ça ne devient pas trop intrusif, ça va. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être tout à fait correct. Alors sur les virages lents, on a une grosse perte de fluidité, ça c'est hallucinant. Dès qu'il faut braquer très court et très lentement, c'est assez incroyable. Allez, on va conclure le premier tour. Allez, c'est pas mal, on est 14e, on s'était donné le top 10 comme objectif. Et on nous indique également les accidents, vous l'avez vu, Paturel qui était tombé, si j'ai bien vu le nom. Les temps intermédiaires des pilotes autour de nous. Et chaque fois qu'on essaie de couper, ça ne passe pas et on se fait réprimander. C'est logique. En fait, j'essaie de voir si je peux gruger et vraiment couper ou si le jeu est vraiment... bien à ce niveau là et en effet il y a l'air de ne pas y avoir de tolérance en cas de coupage. Allez, on remonte 14e, toujours avec Briliakov autour de nous et très rapidement on retrouve les sensations au fur et à mesure des virages qu'on enchaîne. C'est plutôt sympa. Alors sincèrement, je pars avec un bon a priori déjà de ce jeu, puisque le premier m'avait occupé pendant de longues heures à l'époque. Et pour l'instant, je vais être franc, c'est une petite évolution. Ça n'est pas une révolution, une grosse évolution. Sachant que j'y avais joué à l'époque sur PC, peut-être que la différence entre la version 360 PS3 et PS4 est plus marquée. En tout cas, voilà, l'objectif n'est pas atteint pour nous. Alors on a deux courses à parcourir, on va voir si on a plus de chance sur la deuxième. Allez, départ, c'est pas encore ça. La fluidité non plus. On a pris un très bon départ. On va essayer de ne pas faire de bêtises et de bien se placer. Et surtout de ne pas couper pour se retrouver en fond de peloton. On va voir si en pilotant de manière un peu plus safe, c'est possible de faire un top 10. Oh, attention! J'ai cru qu'on allait couper. On vient malheureusement d'écraser un pote. J'ai pas vu quel pilote était tombé. Alors on a les dépassements qui nous sont indiqués. Alors on remonte bien, on est quasiment en tête derrière Erlings. Ah, Erlings effectivement. Les noms qu'on reconnaît qui étaient en tête à l'époque dans le premier MXGP. Ça continue. Les pilotes qui n'ont pas accédé à la première division et qui sont toujours aussi bons. C'était l'équipe KTM effectivement. Alors, petit détail que je viens de constater sur les charmantes fesses de mon pilote. Il y a en effet le logo de l'équipe. Donc, ah, voilà, fallait bien faire une bêtise. Donc, en effet, le logo de l'équipe a une importance, mais non pas dans sa couleur ou sa structure, mais bien la forme du dessin à l'intérieur de du blason. Bon, c'est bon à savoir maintenant. Je comprends réellement pourquoi ils nous le demandaient. Alors, on va conclure le premier des trois tours de course. On est quatrième. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le podium ici? Ce serait pas mal, ça. Attention! Petit coup, alors pas mal de vibrations dans la manette. Je suis avec une manette ancienne génération, comme je le disais. Je suis pas avec un pad Xbox One. Non, mais c'est quoi ça? Comment suis-je tombé là? C'est pas normal ça. Alors, on est un petit peu transparent quand on revient en piste. Je rappelle, l'objectif était top 10. Hein. Pour l'instant, on y est, mais c'est chaud. Faut plus tomber ou plus couper.
tout cas, je ne sais pas ce que vaut la version console de ce MXGP2. En tout cas, la version PC n'est pas une révolution, mais elle est correcte d'un point de vue graphique. Les évolutions du jeu, il y en a. Ça, c'est cool aussi, au niveau de la personnalisation notamment. Allez, Tixier, le pied de podium. Allez, on continue. Il va nous rester à peu près un peu plus d'un tour et demi, un peu moins d'un tour et demi, pour tenter d'aller chercher le podium. Ce serait bien si on ne fait plus de bêtises. Ah, les deux devant là qui sont à la bagarre pour le podium, ce serait bien qu'il y en ait un qui chute avant la fin, comme je suis sadique. Non, mais c'est vrai que c'est le genre de jeu sur lequel vous commencez et puis vous améliorez votre moto, puis vous continuez, vous passez les championnats. Et une fois que vous avez fait le MX2 et le MX1, ben voilà, il n'y a plus grand chose à faire. C'est pour ça que l'onglet contenu téléchargeable est grisé dans le menu du jeu. C'est pas pour rien, ils veulent donner un second souffle avec pourquoi pas une mise à jour en termes de contenu de ce MXGP2. C'est ce qui avait été demandé à l'époque du MXGP premier du nom. On constate aussi que quand on a besoin, la salissure est présente. Sincèrement, notre liquette est bien souillée. Notre vareuse, pour prendre le bon terme. Allez, on n'est pas en train d'abdiquer. On va aller le chercher, ce podium, dans cette deuxième course. Histoire de faire plaisir aux sponsors et montrer que la première course, ce n'était pas notre faute. Allez, on y est. Troisième. On remonte bien. On va aller lui couper un peu la route. Attention à surtout ne pas tomber. C'est vraiment ce qu'il faut éviter. C'est la chute. Parce que le temps de se relever, c'est trop tard. Ça va être serré. Ça va être très serré, je vous le dis, moi. On est dans les derniers enchaînements. Là, il y a la grande descente puis l'épingle à gauche. Allez, mon petit. Au bout. Bats-toi. Non ! Non ! Quel dommage ! Ah là là, quel dommage, quel dommage. Ah là là, on l'avait le podium, on l'avait. Et on terminera donc finalement 6ème. Alors la moto a passé la ligne d'arrivée, mais est-ce que nous on peut... Je sais pas où il nous a classé, sincèrement je sais pas. Bon, premier week-end difficile, hein. Bon, on est 6ème, ça c'est le point positif. Ah, c'était compliqué. Bon, écoutez, on a gagné quand même quelques petits crédits. Plus ta réputation progresse et plus tu te feras remarquer par des écuries et sponsors de prestige. Oui, enfin là, on n'a pas fait grosse impression quand même. Hein. Belle photo. Alors, Go Tickets TV Esports. Allez, on va prendre Go Tickets. Allez, on va faire la deuxième manche. On va à Teutschenthal. Terre battue, 1,5 km, et ça se situe où? Je ne sais pas. Tenue du pilote, est-ce qu'on peut... voilà, j'ai vu que tenue... Non, pas du tout. Merci. Pas du tout. La sensibilité, merci. Il y a deux tenues. Est-ce qu'on peut la personnaliser? On va aller voir aussi la personnalisation au niveau tu du pilote. Reconnu par les fans, il te faut la combinaison de rigueur. Un casque et des bottes. C'est ici que tu trouveras les meilleures marques de vêtements au monde. Essaye d'être tape à l'œil, tout en restant stylé. Alors, au niveau des casques, il y a tellement de choix. Ah, ça, c'est nice. Ça, c'est vraiment bien, sincèrement. Ça, c'est une très bonne chose. Je veux ce casque belge. Voilà, peu importe ce que me coûtera le reste, mais... Ah ouais, c'est vraiment, vraiment sympa. Sincèrement, ça, c'est un gros point qui manquait dans le premier. Là, ils nous font plaisir, parce que là, les tenues sont vraiment superbes. Les tenues sont magnifiques. Je pense que pour un pur fan de motocross, c'est génial. Même moi qui suis pas un grand fanat, je trouve que ça, c'est juste génial. Pourquoi? Parce que d'habitude, on vous met des trucs absolument immondes, mais là, c'est bien fait, en fait. Ah, j'ai pas assez de sous, faudrait glitcher. Bon, tant pis. Voilà, c'est ça, le protège-coup que j'avais vu, que je voulais savoir, c'est un système style Hans, en fait. D'accord.
Ça vous protège du coup du lapin. Ça coûte 300 boules. Bah écoutez, on va investir là-dedans. On a un beau casque belge maintenant. Les lunettes doivent pas être chères. Alors, je parie que les bottes, ça va être genre 1005 et on pourra pas. Voilà, 1000 pour les bottes, donc on pourra pas se les payer. Mais en tout cas, pour vous montrer un petit peu, vous avez le choix. Ah putain, c'est vraiment génial. Sincèrement, d'habitude, je m'extasie pas devant ce genre de choses. Mais là, c'est tellement beau que voilà quoi. C'est waouh. Bon, du coup, si je fais tenue du pilote... Je vais prendre celle-là, voilà. Alors, si je fais option de la course, voilà. Week-end complet, longueur de la course 3, difficulté moyenne, physique. On était en base, on va essayer d'aller en moyen. Frein couplé, oui. Poids du pilote, semi-automatique. Transmission, semi-automatique et rewind. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous la jouer pro, vous avez tous les setups. Pour moi, je vais rester neutre dans cette découverte. On fera peut-être des vidéos un peu plus tard sur le jeu. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si ça vous plaît, ce genre de vidéo sur ce style de jeu. Alors certes, ce n'est pas la base de la chaîne qui est vraiment la simulation. Mais voilà, on avait présenté le premier MXGP et j'avais bien aimé. Alors pourquoi pas le deuxième. Bon, au niveau des vues, vous en avez deux. La première en vue poursuite, la deuxième en vue première personne. Vous avez une vision un petit peu particulière, bien haute. On ne voit pas grand-chose du guidon. Ça donne des sensations, c'est clair. Alors dans le premier MXGP... Je n'étais pas un gros fan de la vue... Oh, j'ai failli tomber. Je n'étais pas un gros fan de la vue qui était proposée alors qu'on a fait la pole. Je m'en suis même pas rendu compte, rendez-vous compte. J'étais pas un gros fan de la vue première personne qui était à l'époque proposée. Mais là, sincèrement, c'est tout à fait jouable. Ah, bonjour monsieur. On va aller dire un petit coucou à la Croix-Rouge. Non mais sincèrement, là j'aime beaucoup les sensations. Bon, on va repasser en vue poursuite qui est un petit peu plus parlante peut-être pour vous. Et on termine donc avec le meilleur temps des essais pour un petit dixième devant notre poursuivant. Donc on gagne quand même 1300 crédits, donc ça vaut la peine quand même de faire quelques tours en essai si vous êtes doué pour ramasser un petit peu de crédits. Et au moment de découvrir le classement, on est 18e. Donc on gagne quand même quelques petits crédits, mais ça n'est rien si on comparait à si on avait fait la pole position. Ouais, on aurait bien aimé du changement aussi au niveau de la demoiselle. C'est dommage que ce soit toujours la même. Ah oui, il faut dire les choses comme elles sont. Allez, deuxième départ. Enfin, premier départ de la deuxième manche. On n'est pas les plus rapides, mais on est peut-être les plus malins. En tout cas, face à nos adversaires. Donc, on n'a pas la moto développée pour l'instant. Avec notre petit team indépendant. Mais on s'en sort pas mal. On a pris un bon départ. On est cinquième. Alors on va arriver devant les box, si j'ai bonne mémoire ici, voilà. Et l'épingle du fond, on se bat pour les dernières marches du podium, ça va être serré. Oh, il s'est tombé pour Geyser qui est tombé. Ça c'est dommage. Alors Erlings qui mène, je pense que ça va être dur d'aller chercher Erlings dans les prochaines minutes. On va essayer... Alors on a... Oh attention, on a failli tomber, on s'en sort bien. Et oui, puisque comparé à la première manche de tout à l'heure, on est passé d'une physique de base à une physique pro. Donc maintenant, on a moins d'assistance au niveau de l'antichute. Et il faut donc être attentif à toutes les aspérités des tracés. Sinon, eh ben, ça se paye cash. Hop, la petite épingle, on est calme. On essaie de piloter proprement. On essaie de bien placer la moto dans les épingles comme ici, voilà. Hop, on profite des nervures déjà bien instaurées dans certaines courbes. Au fur et à mesure du passage des deux roues. Alors ici, attention, c'est très serré. Non, 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 non. Et voilà, chaque fois je me fais avoir dans ce virage-là. Je me faisais déjà avoir dans le précédent.
Malheureusement, ça risque de me coûter cher, cette petite escapade hors-piste. Il va falloir être prudent au prochain tour. On est sixième. Bon, on va pas abdiquer tout de suite pour le podium, hein, quand même. On va rester... Oh, attention. Là, j'ai cru que j'allais retomber sur Jonas. Hop. Hop. Ici, à droite, les box. Et on va conclure bientôt le premier tour, je pense. On est de retour au troisième rang. Et donc, en effet, la victoire est jouable, mais il faut pas chuter. Aucune erreur n'est tolérée. Sinon, le tarif, c'est 3 secondes et vous repartez très loin avec 3 secondes dans la vue. Allez, le premier tour est maintenant complété avec Erlings en tête devant, je crois, Petrov, si j'ai bien vu, ou Tixier. Tixier, effectivement. Tixier qui est deuxième. Et nous, on est troisième. Toujours difficile ici de remettre la moto dans l'axe. Mais ça se passe bien. Allez, on essaie d'avoir la force nécessaire pour mettre l'élan dans la bécane pour les jumps. Et bien s'en sortir. Allez, ici aussi, on est un peu court, mais c'est pas grave. On va le faire en deux fois. Sans risquer de se faire surprendre. On replace bien. Non, non, ça va. C'est pas prise de tête. Sincèrement, c'est détente. Mais il faut vraiment prêter attention à chacun des virages. Parce que si vous êtes un peu trop mou, ben voilà, vous partez sur l'extérieur comme je viens de le faire. Et vous payez ça cash. Je pense qu'on vient de passer le virage où tout à l'heure j'étais en difficulté. Attention, ici à la bosse à gauche qui est traître. Voilà, ça passe bien. Maintenant qu'on est bien à l'aise sur toutes les parties du circuit, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Alors constatez bien que le comportement de mon personnage, de mon pilote sur la moto, c'est bien moi qui le gère. Je le mets en arrière puis en avant afin de profiter un maximum du poids dans les virages. On passe devant les box. Allez, garde, allez, là, je mets à droite, à gauche. Il y a quand même quelques changements de poids. Vous le voyez, regardez le jeu des épaules si je le mets à gauche ou à droite. Ça c'est bien, vous pouvez le constater vraiment visuellement, de savoir où vous placez votre pilote. Vous voyez que devant on a fait un peu de tricks pour Tixier. Nous on va pas encore aller à ce niveau là, du moins dans cette course-ci, parce qu'on tient un bon podium. Attention, voilà, au passage de l'épingle. Oh, Tixier qui se donne vraiment à cœur joie. Alors faut savoir que au-delà du spectacle pour le public, ça a une réelle vocation technique, ces effets. Pourquoi ? Ça permet de, en l'air, lancer la moto et au moment où elle retouchera le sol, elle la remettre correctement dans l'axe. Ça, c'est vraiment quelque chose de véridique. Oh, et notre podium qui est peut-être en train de partir en fumée. On va rester attentif au pilote de derrière qui est en train de revenir. On l'a vu passer légèrement dans le cadre de la caméra poursuite. Et c'est là que la minimap sans les autres adversaires est un petit peu un défaut. Non ! Ça, c'est pas juste ! Ah, quel dommage ! Quel dommage ! Ah là là ! Et je pense que ça va être trop tard pour revenir sur Guilod et les autres. Ah là là, ça c'est dommage, on était bien placés. Mais on subit effectivement la moto qui a un clair manque de performance et de développement comparé aux autres. Donc on est un petit peu en retrait. Mais ça fonctionne bien par vague dans les épreuves. Puisque regardez, là, je reviens bien sur Guilo. Attention à ne pas aller... Ouf, là, on a beaucoup de chance de ce qu'on vient de faire. Paturel derrière. Non, pas d'accrochage ! Mais non ! Allez, dépêche-toi ! Ah là là ! C'est dommage, c'est dommage. Et Erlings qui va l'emporter, évidemment. Bah oui ! Ah là là ! Voilà, ah c'est dommage, on avait le podium et on n'a pas tenu le coup. Donc il y a encore du boulot pour faire évoluer la voiture et le pilote. Nous étions donc en Allemagne. Bon, on est 3ème KTM, mais bon, c'est Erlings qui l'emporte, 500 crédits. Et on arrive au terme de la session d'entraînement, de présentation avec les deux courses de fin de saison.
Alors, on n'est pas les plus rapides, mais on va essayer d'être les plus malins, encore une fois. En s'en sortant pas trop mal. Voilà, on espère aller un petit top 5, ce serait bien. Voilà, on est pas mal. Et le but, en fait, va être d'éviter toutes les erreurs et tous les pièges pour essayer de faire un bon résultat et ne pas se retrouver piégé. Il va nous rester une dernière épreuve. Bon. Alors, pour le coup, sachez que, comme dans le premier MXGP, j'ai constaté quelque chose, même si j'ai pas fait beaucoup de courses, c'est que dans la deuxième épreuve d'un week-end, on est beaucoup plus facilement devant. Ça, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Alors que la moto n'a pas évolué, on dirait que le pilote arrive déjà plus à l'aise en début d'épreuve et on en profite. Alors, on est pour l'instant en tête, mais ça ne veut rien dire parce qu'avec la chance qu'on a, on va très vite se faire rappeler à l'ordre, donc on va rester concentré. Ça jump, évidemment, on sent bien tous les ressentis de la piste avec la moto à la manette, effectivement. Ici, on essaie voilà, de bien accrocher la trajectoire créée par le passage différent des motos au même endroit. Ici, attention, un endroit bien piégeux. Non. Et voyez le temps que j'ai perdu. Regardez tout ce que j'ai perdu, ce qui a permis à Airlinks de revenir. Incroyable, le temps perdu sur cette simple bosse. Et on perd la tête. Alouette. Allez, ça remonte, oui, à l'intérieur. On a pris un meilleur run qu'Airlinks. Faut surtout pas partir à la faute et tomber. Tomber, c'est la pire chose qui peut nous arriver parce que à chaque fois, le tarif, c'est 3 secondes le temps que le pilote revienne sur sa monture. Même si on est tombé, on réapparaît quelques mètres devant l'endroit de la chute. Quelque chose que j'ai constaté aussi comme dans le premier. Si je fais pas trop de bêtises, on peut se la tenir cette première victoire de la vidéo et de la carrière quand même. Ça nous donnerait peut-être un peu plus de choix au niveau des contrats pour la première saison complète. Allez, on a quasiment une seconde sur Airlinks. Ah, reviens. Ouf, oh là là, ce fut très très chaud. Eh ben merci en tout cas de m'avoir laissé un petit espoir, Airlinks. Alors maintenant, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas s'énerver. On va la récupérer. On va la récupérer, cette première position. On va tout faire pour, en tout cas. Même sauter sur des panneaux. Alors ça, voilà, c'est un peu moins réaliste, par contre, c'est dommage. Allez, on va y arriver. On a été poussé un petit peu par Tixi. On est dans le deuxième des trois tours. Ça va bientôt être la dernière boucle. Allez, il faut y aller face à Airlinks si on veut décrocher cette victoire. Absolument. On va essayer de relancer un petit peu plus large, mais ça n'est pas passé. Ici également. Allez, le dernier tour. Oh, Airlinks qui est parti à la faute. Tout seul comme un grand. Airlinks à la faute. Il a voulu tenter de s'amuser pour le public, mais ça n'a pas fonctionné. Oh, et c'est nous là qui partons un peu large. Ça, on a pu récupérer. Oh, Airlinks qui est tombé troisième après sa mésaventure. Alors nous, on va essayer de la ramener jusqu'au bout. Attention à Tixi qui va tenter lui aussi de récupérer, pourquoi pas, la victoire. Ça va se jouer à pas grand chose. Ah, et on joue un jeu dangereux là, on joue un jeu très dangereux avec Tixi pour la victoire.
là, ça va être compliqué de se défendre face à Tixier qui nous emmène un peu loin là. On l'accroche de nouveau. Allez, on va essayer de bien retomber et de tenter notre chance. Allez, c'est passé pour l'instant, mais il va croiser. Oh, cette lutte avec Tixier. Allez, il va nous rester 3 virages après l'épingle du bout. On va essayer de la ramener, cette victoire. On est pour l'instant devant Tixier. Oh, regardez, il est là. Oh, il est là. On est à droite. Et je pense que, sauf catastrophe, c'est bon. Et c'est fait. Oh, et bien écoutez, cette lutte était particulièrement intense et jouissive. Et on remporte donc notre première victoire face à Jordi Tixier. Et donc 4600 crédits, donc ça va nous faire pas mal de sous-sous dans la popoche. Nos courses wildcard sont terminées. On a fait de notre mieux. Nous voilà prêts pour la prochaine saison. Il ne nous reste plus qu'à choisir de continuer dans l'écurie personnelle ou bien de courir avec une écurie officielle. Tout comme les sponsors, les écuries officielles espèrent aussi une position minimum. Et essaient de combler leurs attentes pour asseoir ta place dans l'écurie. Alors on va voir chez qui on peut signer. Donc l'objectif est le même. Terminé dans la première moitié du classement. Je regarde un petit peu les noms. Et il n'y a pas de nom de pilote qu'on a vu en tête de classement. On va signer chez eux. La fièvre du championnat du monde. Alors le MXGP Mag, évidemment, voilà. Bah écoutez, c'est ici qu'on va faire notre coupure. On se retrouve grâce à la magie du montage dans quelques instants pour eh bien, voilà, le ressenti et la conclusion de cette découverte de MXGP2. Et grâce à la magie du montage, on se retrouve. Alors, IRL, il s'est passé 2 jours, effectivement. On va donc, bien après un total de 5h30 de jeu sur MXGP, à peu près 6h, eh bien, on va pouvoir faire le bilan. Et je vais vous passer surtout des plans de mes gameplays que j'ai enregistrés tout au long de mon expérience avec le jeu. Donc, là, par exemple, vous avez le petit frère Potisek qui évolue dans une course Stadium, donc qui est une des nouveautés. Alors on va évoluer dans la conclusion en plusieurs étapes. On va commencer par la carrière. Alors la carrière évolue de la même manière que le premier MXGP. Vous allez devoir faire donc quelques courses pour montrer que vous existez au monde de la moto. Ensuite, vous signez un contrat. La nouveauté, c'est que vous pouvez choisir de poursuivre avec votre équipe et la développer ou signer pour une écurie existante. Ensuite, au bout d'une saison, si vous avez remporté le titre ou si vous faites partie des premiers pilotes, eh bien, quelques équipes d'MX1, donc d'MXGP, vont s'intéresser à vous pour monter dans la grosse catégorie, les 400. En tout cas, pour l'instant, au stade où j'étais dans ma carrière, j'ai eu quelques propositions de contrat au fur et à mesure, c'est-à-dire que plusieurs fois dans votre saison, eh bien, des équipes vont venir taper à la porte et dire « Hey, viens piloter pour nous, on a une meilleure moto à te proposer », et vous allez ainsi glisser d'équipe en équipe du grand classique en termes de carrière. Le contenu de la carrière n'évolue pas grandement. La seule différence avec le premier, c'est si vous évoluez avec votre propre équipe, où là, vous devrez économiser les crédits et pouvoir eh bien, personnaliser votre moto et personnaliser votre pilote. On ne parle pas ici d'amélioration technique. Les motos ne peuvent simplement être que personnalisées avec une gamme absolument incroyable de paramètres dans la carrière. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, si vous décidez de faire une course vite fait sur un circuit, etc., vous pouvez toujours sélectionner les pilotes réels, bien évidemment, mais aussi les pilotes virtuels que vous avez créé. Autre élément de la carrière, la collection des motos, chose qui va peut-être vous forcer ou vous donner l'envie eh bien, de poursuivre et de refaire quelques saisons avec différentes motos MX2 ou MX1 et ainsi collectionner les différentes motos dans votre garage. Voilà ce que j'avais à dire pour la carrière qui est donc très complète mais qui n'est pas une révolution du grand classique comme dans le premier MXGP. Passons maintenant à un autre sujet qui prête à débat, le son. Alors le son, déjà, je vous ai laissé pas mal de plans avec de la musique en fond. Vous pouvez bien sûr la déconnecter et la retirer en course. C'est ce que j'ai fait un petit peu plus tard, vous le verrez. En tout cas, moi, j'aime bien l'ambiance du menu. Ça reste assez dynamique, assez propre, assez pro. Pas vraiment de manque d'ambiance. Alors un garage qui est peut-être un petit peu froid comparé au premier. Parce que, eh bien, on passait notre temps dans les paddocks, on voyait les motos passer, les mécaniciens passer. Donc, il y a un petit manque de vie, alors qu'il y a un pilote là, à gauche dans le talus.
Il y a clairement un manque de vie dans le menu, mais c'est un choix parce qu'il est tout simplement esthétiquement correct. Bref, le son des motos, des effets, du sol, etc. Est tout à fait correct, même si pour moi ça reste quand même très basique. Pourquoi ? J'ai pas senti de différence de bruit entre les motos, entre les moteurs, si vous changez le pot, parce que vous pouvez avoir des différents kits mécaniques au niveau du pot, c'est le seul élément mécanique, et je n'y connais pas grand chose, mais je sais que selon le pot, eh bien, la moto va faire un son différent, et bien avec les quelques courses que j'ai fait avec ma moto client, j'ai pas vu de différence. Donc le son, c'est correct, mais ça n'est pas une révolution. Je rappelle qu'on est sur la version PC, donc voilà. Voilà, moi j'ai pas été totalement convaincu par le son de ces motos. La différence entre le MX2 et le MX1, oui, elle est audible à force de piloter. Vous allez vite comprendre la différence à l'oreille. Mais au-delà de ça, voilà, le public n'est pas super présent. Vous allez avoir la musique qui de base gâche les courses. Si vous pilotez en manuel pour entendre votre moteur, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir bien tendre l'oreille et bien doser les paramètres. Donc voilà, au niveau du son, c'est pas le plus gros atout de ce MX GP2. Un autre point, tant qu'on est en train de voir évoluer les motos en vue télévisée, l'un des gros avantages, c'est la physique. Pourquoi ? Parce que, eh bien, elle est tout à fait logique et on a bien un gameplay adapté à la motocross avec, eh bien, la gestion du poids du pilote sur l'avant, l'arrière et les côtés, ainsi que les tricks que l'on peut faire pour placer la moto en l'air, ce qui était déjà présent dans le premier. Ici, ça paraît beaucoup plus intuitif, surtout la différence de la compréhension du tarmac, donc selon si vous passez dans un endroit ou un autre, l'évolution constante de la piste va vous donner plus en plus de confiance au fur et à mesure des tours d'une course. Et vraiment, on a la sensation de mettre le poids de son personnage, de son pilote vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite. Et ça vous aide réellement à faire un chrono. Si vous avez une piste où vous enchaînez les bosses et que vous ne pilotez pas avec le stick droit pour placer le poids de votre pilote, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de rythme. Donc ici, on a une explication avec un nouveau plan où on est aux États-Unis. Et bien ici, vous voyez, il faut absolument prendre le jump pour bien se replacer parce que si vous n'êtes pas dans le bon rythme, vous allez le payer cher. Regardez ici, voilà, on soulage un petit peu et je prends les bosses et je place petit à petit la moto. Bon, je suis mauvais, mais ça c'est un détail. Mais vraiment, on a le besoin d'apprendre le gameplay. Sachez que tous les gameplays que vous allez voir ici ont été faits en mode pro, donc c'est-à-dire sans les aides, donc avec les risques de chute, la possibilité de transférer son pilote, etc. Si vous êtes moins familier avec le milieu du motocross et que vous souhaitez simplement vous amuser, vous pouvez toujours garder la physique basique de la moto qui vous permettra de piloter sans vous tracasser, voire même sans tomber et y aller à fond, quel que soit l'angle que vous mettez. Donc on parle de physique, évoluons avec le contenu qui vous propose donc l'ensemble des motos MX1 et MX2 de la saison 2015. Il va falloir faire avec un contenu téléchargeable qui devrait sortir dans quelques temps, pourquoi pas une mise à jour de la saison 2016, ce serait sympa. On sait que c'est une politique qui avait déjà été adoptée à l'époque des MotoGP, on pouvait acheter MotoGP 15 et avoir la saison 2016 pour la mise à jour, ce genre de choses là, donc on a hâte de voir ce qui va être proposé en contenu DLC, alors pourquoi pas un petit peu d'historique. Vous savez que c'est un peu mon cheval de bataille si vous me connaissez bien. Pourquoi pas proposer des motos historiques à tester ou des pistes historiques, ça pourrait être vraiment sympa. Au niveau du contenu, tant qu'on y est, donc je vous ai dit qu'il y avait toutes les motos et tous les circuits, il y a 13 pistes officielles du championnat du monde MXGP. Vous avez 4 pistes qui sont issues du Stadium, qui sont donc 4 nouvelles pistes qu'on n'avait pas. Il y a des pistes qui ont changé, par exemple dans le premier MXGP vous étiez à Bastogne en Belgique, vous êtes maintenant à Lommel. En France, la piste a également complètement changé, elle est beaucoup plus simple. On va voir quelques plans d'ici quelques instants, je pense, de la France, en tout cas avant la fin de la vidéo. Donc le contenu est correct, vous en avez pour votre argent, mais voilà, si vous n'êtes pas ultra fan de motocross, c'est un petit peu cher. On va y revenir dans la conclusion d'ici quelques instants. Donc, sincèrement, le physique est correct, la physique est correcte aussi, la qualité graphique est correcte, pas de clipping, pas d'aliasing, un petit peu de scintillement sur les parties reflets, ça c'est quelque chose aussi qu'on a vu. Au fur et à mesure des passages des menus, notamment quand vous sélectionnez les éléments améliorés sur votre moto, très belle chute. Vous avez quelques sentiments. Et alors, un problème que j'ai, alors ça je ne sais pas si d'autres personnes ont le jeu sur PC, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. J'ai la sensation qu'avec les virages lents,
le jeu perd en fluidité quand il y a beaucoup de pilotes à afficher. Mais bon, c'est un petit détail, peut-être que c'est personnel, en tout cas, je ne vais pas en tenir compte pour la note. Avant de passer à la conclusion, on va parler rapidement d'un dernier détail qui, moi, m'a un petit peu perturbé, c'est que ben j'ai pas l'impression d'être devant AMXGP 2, mais AMXGP 1,5. Alors là, tout de suite, tout le monde va crier au scandale. Effectivement, je vais vous remettre en ligne, si je peux, d'ici quelques jours, le premier AMXGP que j'avais testé, parce que je réupload les dernières vidéos qui avaient été coupées il y a plus d'un an pour des raisons de droit d'auteur, donc vous allez avoir des coups d'œil dans le rétro et des choses comme ça qui vont revenir. Et quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, mais bon sang, il y avait vraiment quelque chose de frais, de nouveau avec ce MXGP, parce qu'on n'avait plus de très bons jeux de motocross depuis longtemps. Moi, le dernier qui m'avait fait kiffer, c'était Moto Racer, rendez-vous compte, ça date d'il y a 15 ans. Donc, oui, il y a une évolution si vous venez de la 360 et de la PS3, mais c'est pas radical. Bon, passons maintenant à la conclusion de ce MXGP dans quelques secondes. Alors MXGP 2, bonne, mauvaise affaire, faut-il l'acheter, faut-il passer à côté? Alors je vais vous donner mon ressenti. En tant que fan du premier MXGP, je suis un petit peu déçu. Même si je suis un petit peu le cul entre deux chaises, comme on dit chez moi, c'est-à-dire que oui, il y a des évolutions, oui, il y a du nouveau contenu, mais il n'y a pas d'évolution en termes de gameplay pur. Vous allez me dire, c'est difficile de faire évoluer un gameplay de moto, mais c'est surtout qu'il était très bon, donc il n'y avait pas besoin de le faire évoluer, donc c'est un petit peu comme si on vous resserre une version mise à jour du premier MXGP. Donc il y a deux manières de procéder. Soit vous allez courir en magasin en tant que fan de moto et vous allez acheter le jeu, ce que je vous conseille. Si vous n'avez pas testé le premier MXGP et que vous voulez une expérience de motocross de qualité, rendez-vous dans le premier cash converter que vous voyez ou attendez les soldes Steam et foncez sur le premier jeu. Parce que fondamentalement, si vous n'êtes pas attentif aux dernières livrées, aux dernières équipes, aux derniers transferts, comme peut l'être un fan de Formule 1 qui achète son édition chaque année, ou un fan de MotoGP, bah, allez prendre un jeu qui coûte 5 ou 10 euros dans un magasin d'occasion, et faites-vous autant plaisir qu'avec celui-ci. Par contre, si vous êtes ultra fan de moto, et que pour vous c'est tout ce qui compte dans la vie, mais même moi qui suis pas un gros fanatique de moto, j'ai envie de poursuivre cette carrière, parce que vraiment, j'ai un gameplay qui fonctionne, qui est qualitatif, qui est progressif. Il y a des envies de faire progresser sa moto, il y a des petites améliorations. On regrettera le manque d'améliorations mécaniques qui nous empêche, pourquoi pas, de faire évoluer notre moto personnelle de notre usine. Mais il y a déjà beaucoup plus que dans certaines équipes et dans certains jeux. Donc c'est pas mal, sincèrement c'est pas mal. La personnalisation est top, vous avoir votre casque, votre nom, etc. Il y a encore des choses qui sont à corriger, notamment au niveau de la personnalisation. Ça reste quand même assez basique, la police des chiffres dans le dos, le sponsor, l'équipe, etc. Pourquoi pas pouvoir designer son logo? Bon, là, j'extrapole un petit peu, ça paraît un peu improbable, mais il y a un bon potentiel dans ce MXGP 2. Je vous le conseille vraiment, si vous êtes fan de ce genre de jeu, à piloter à la manette, évidemment, pas ici de volant, ça risque d'être compliqué, quoique il y en a qui jouent même à Call of au volant. Bref, MXGP 2, c'est un jeu à conseiller à tous les fans de jeux de course, tout simplement. Merci d'avoir suivi ce test d'MXGP 2. C'était la version PC du jeu. N'hésitez pas à vous exprimer dans la section commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste, les amis. Ciao!